Ouais. C'est parti. On va parler cette semaine. On est bon, on s'approche à Shavuot. On va se préparer à Shavuot. Alors, il y avait une fois une personne qui était invitée chez le Rav. Une personne qui n'était pas très religieuse. Il arrive chez le Rav. Et à la fin de la fête de Shavuot, il vient le voir et fait Rav, la vérité, on a passé une très belle fête. Mais beaucoup, des choses, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème d'allumer l'ascenseur, la lumière? Une chose, j'ai compris chez vous. Pourquoi vous prenez pas la voiture pendant la fête? Je suis arrivé, t'as fait le cul sur le vin. Après, la soda, du whisky. Bah, tu es complètement rond, tu vas avoir la voiture. Le lendemain, un petit apéritif. Un petit whisky, bourra et tout ça. Après, le kit, j'ai encore du vin. Le soir, encore du vin. Lave dans l'acte, tout le temps du vin. Pourquoi vous ne conduisez pas pendant la fête? Je comprends. Mais c'est quoi le problème d'être aujourd'hui? On sait que la religion, la Yadout, c'est une fête qui est très très familière. C'est une fête qui va que de, c'est une religion qui va de père en fils. Le Tanakh, il nous parle que des choses comment ils vont continuer. On parle de Noah, les enfants de Noah. Mais elle est Toldot. Après, on parle des enfants de quoi? De Abraham. Mais elle est Toldot. Yitzhak ben Abraham. Après, on parle l'histoire de Yaakov, les enfants de Yaakov. Et là, quand on arrive dans l'histoire entre Aaron et Moshe, on voit une très grande différence. Aaron, Baruch Hashem, on parle beaucoup. Moshe, on se tait. Et la Torah nous raconte seulement, quand on nous raconte l'histoire de Moshe, la Torah nous raconte comme ça, dans le Sefer Shemot, c'est vrai, comment Moshe va se sauver d'Égypte, va venir à Midian, va se marier avec Tzipora, c'est la fille de Yitro, et ils ont eu deux enfants, Gershon et Naza. Et après plusieurs années, ils retournent en Égypte, et quand ils retournent en Égypte, la Torah nous raconte qu'il voulait venir avec sa femme. Au dernier moment, il a dit à sa femme, c'est quoi? J'ai pas envie que tu souffres, retourne dans la maison avec ton père, moi je vais en Égypte et on va se revoir. Et après ça, tout à coup, l'histoire des enfants de Moshe, on ne les voit plus. On ne les parle plus. Mais non, pas seulement qu'on ne parle pas des enfants de Moshe, c'est qui va continuer Moshe? Yehoshua Binoun. En général, le rêve d'une personne, c'est que les enfants vont continuer. Et maintenant, une chose qui va faire encore plus mal, et un petit peu vraiment dur à comprendre, c'est notre paracha à nous. Paracha Bamidbar. La Torah dit comme ça. Elle est Toldot Aaron de Moshe. Voici les générations de Aaron et Moshe. Et là, tu veux savoir c'est qui les enfants. Et qu'est-ce que la Torah te dit? Elle te dit comme ça. Shmot ben Aaron, Abecho, Nadav, Aviou, Nadav et Tamar. Voici les enfants le plus grand de Aaron. Il s'appelle Nadav, Aviou, Nadav et Tamar. Et on ne parle pas du tout de Moshe Rabbeinu. Ah ben c'est pas possible, quand tu les caches. Alors Rachid te dit un pirouche, c'est qu'en vérité, puisque Moshe a appris la Torah aux enfants de Aaron, c'est comme ses enfants, en spirituel. Mais quand même, pourquoi en vérité, ils étaient encore cachés? Maintenant, il faut savoir une chose. En général, une personne qui est cordonnier, ses enfants, ils vont aller avec des chaussures à ranger. Tu verras jamais le cordonnier qui va envoyer ses enfants avec des chaussures déchirées. Tu dis, écoute-moi, ce cordonnier, je veux pas aller. Les cordonniers ils vont aller pieds nus. Pieds nus. Mais comment c'est possible qu'avec Moshe Rabbeinu, en vérité, c'est possible? Alors on raconte qu'en vérité, dans la Torah, il y a un remèze, comment on trouve l'histoire, comment Moshe Rabbeinu, il a oui demandé à Hachem, s'il te plaît, je veux que mes enfants continuent. C'est dans quelle histoire? C'est l'histoire avec les enfants de Tzlofran. Tzlofran, c'était Megoshesh, c'était une personne que malheureusement, il était pendant Shabbat, il a coupé du bois. Et quand il a coupé du bois, il a eu la peine de mort, on l'a tué. Et il n'a pas eu de quoi, il a eu que des filles. Et les filles sont venues voir Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va recevoir une partie dans le pays? On sait que Eretz Israël, à la base, c'était justement séparé par les garçons. Alors il a demandé, mais comment on va faire? On n'a pas de frères.
on a mis papa, ouais. Comment on va recevoir une partie? Et la Torah nous raconte comment Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'on fait avec les filles de Tzlofran? Ils n'ont pas de frère, ils n'ont pas de papa. Comment ils vont hériter? Et qu'est-ce qu'a dit Hachem? Il a dit, même s'ils n'ont pas de papa, ils peuvent hériter une partie dans la terre d'Israël. Et dès qu'il a entendu le mot héritage, Moshe Rabbeinu, le Midrash nous raconte, il a parlé de lui-même. Hachem, s'il te plaît, j'ai des enfants. Est-ce que mes enfants pourront hériter mon futur? Comme ça, il nous raconte. Et qu'est-ce qu'il lui a dit à Hachem? Ça va être Yoshua, parce qu'en vérité, il te dit comme ça, c'est qu'ils n'étaient pas à souk de Torah. Ils étaient pas, c'est quoi souk? C'était complètement dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit Yoshua? Du matin jusqu'au soir, il était avec quoi? Avec Moshe Rabbeinu. Et la question qui se demande, mais pourquoi en vérité, Dieu, il a caché les enfants de Moshe Rabbeinu? Il n'a pas continué les enfants de Moshe Rabbeinu. Combien de tzadikim on voit, même on voit dans les Admurim, dans les grands rabbins, les enfants ils continuent. Et là on voit vraiment rien du tout. Et en vérité, j'ai vu un pirouche qui est magnifique, c'est que qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris de la famille de Moshe Rabbeinu la Torah, il a donné pour chaque personne. Et il a dit en vérité, la Torah ne passe pas en héritage. Ça va être en quel héritage? À chaque papa et maman juif, elle pourra donner l'héritage de quoi? De être la Torah. C'est-à-dire que la Torah, elle n'est pas seulement que tu es dans une famille de tzadikim, de rabbanim. Chaque personne, il peut arriver. Et c'est quoi la Torah en vérité? C'est comme l'oxygène. L'oxygène, elle n'appartient pas seulement aux gens qui sont riches. Partout en Israël, partout dans le monde, en général, c'est la même chose. Parce qu'en vérité, c'est gratuit. La même chose. C'est le seul truc gratuit. La même chose qui est gratuit. C'est vrai. En Israël. Et personne ne peut se dire. Et personne ne peut se dire. Personne ne peut se dire, écoute-moi, moi je ne suis pas connecté avec la Torah. Non. La Torah, elle n'est pas en héritage. Elle est pour tout le monde. C'est comme une personne va faire une très grande fête. Et il va inviter aux gens dans une salle. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu habites dans une salle, si tu n'as pas l'invitation, tu auras honte de venir. Mais si demain tu prends le parc à Yarkon, un grand parc ouvert, et tu dis vous êtes tous invités à la baptême de mon fils, je veux tout le monde qui vient. Même si tu n'as pas l'invitation, tu as vu dans le journal, tu viens. Il te dit en vérité, la Torah elle appartient à tout le monde, il n'y a pas d'héritage. Ah, mon père il n'est pas rabbin. C'est pas grave. Ton père et ta mère, vous êtes là. Pouvait être mérité. Et comme le Rambam nous dit, il y a trois couronnes. Keter Torah, Keter Malchut et Keter Kouna. Keter Malchut, c'est la couronne de la royauté. Il n'y a que les Ben David. Même le Mashiach, il doit venir de Ben David. S'il n'est pas Ben David, il ne peut pas venir Mashiach. Il peut être très fort, non. Après Keter Kouna, voilà, on a branché notre Kohen. C'est seulement un Kohen. Qui est un Kohen? Qui veut dire Cohen? Comme on raconte la blague qu'il y avait, une fois une personne est partie voir le rabbin. Rabbin, je veux être devenir Cohen. Non, mais tu peux pas. Je donne une grosse donation de 1 million de dollars. C'est bon. Il dit, mais vous êtes fous, mais pourquoi tu veux dire? Je donne comme vous voulez. Je peux pas devenir. Je suis pas dans Cohen. Et là, le rabbin, il demande, mais pourquoi tu veux devenir tellement Cohen? Il dit, parce que mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen. Et là, le rabbin a dit, si ton père et ton père étaient Cohen, toi aussi Cohen. C'est-à-dire qu'il y a la couronne de Cohen. Et la troisième couronne, Keter Torah. Elle partenait qui au début? À Moshe Rabbeinu et sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit non. Ouais, divulguer. J'enlève la couronne de la Torah de Moshe et je la donne à tout le monde. On raconte une histoire. Il y a quelques années, ils ont fait le Sioum HaShas à New York, Dershow, avec je pense qu'il y avait à peu près 100 000 personnes. Dans la salle de foot. La salle de foot. Et là-bas, hein, il y avait le grand chanteur qui arrivait, Moti Shemetz. C'est un grand chanteur. Et là-bas, il a chanté un chant qui parle de quoi? D'une histoire. Comment c'est Yankele, c'est un enfant. Yankele. Qu'il était au Khaider, qu'il apprenait au Khaider, c'était avant la guerre. Et rien ne lui rentrait. Et les parents, ça avait vraiment le cœur. Il n'arrivait pas à prendre la Gemara. Et un jour, ils sont arrivés, ils ont dit écoute-moi, mon fils, Yankele.
si tu vas réussir à apprendre un daf de Gemara BLP en oral, tu vas recevoir une pièce en or. Et l'enfant tellement content, il commence, et vraiment une tête rien différente. Chaque jour, il apprenait trois lignes. Il a appris. Chaque après un mois et demi, il a réussi à apprendre son daf de Gemara. Et il raconte, la guerre elle est passée, malheureusement ses parents ils sont nifta. Et quand il est arrivé dans les camps, qu'est-ce qu'il avait avec son daf de Gemara pour se rappeler de ses parents, tout en ayant appris ce daf de Gemara. Et un jour, il y avait Reb Chaim, c'était avant, une journée avant qu'il y avait le Sioum HaShas en Israël, à Yerushalayim. Il marche et il rencontre Yann Kelly. Et Yann Kelly lui demande, est-ce que moi aussi je peux faire le Sioum HaShas? Est-ce que moi aussi je peux faire le Sioum? Il dit, chacun peut faire. Et pourquoi tu demandes ça? Il dit, voilà, la vérité est, moi j'ai pas eu le mérite d'apprendre au Khaider, j'étais au Khaider, je t'ai jamais appris. Mais quand j'étais jeune, j'ai appris mon daf de Gemara. Et quand j'ai fait mon aller en Israël, tous les soirs, après le travail, je prenais ma daf de Gemara que j'avais et j'apprenais. Pendant combien? 2700 nuits, j'ai appris mon daf de Gemara. Le même daf de Gemara. Et est-ce que je peux faire mon Sioum HaShas? J'ai pas appris. Et là, le Rabbi dit, Yankele, est-ce que je peux prendre ton Sioum à toi et on le change? Une personne qui c'est toi tous les soirs et qui n'arrive pas à apprendre parce qu'il a passé la Shoah et parce qu'il avait une tête qui n'était pas à rentrer, il apprenait tous les soirs le même daf, le même page pendant 2000. Ça, c'est que dire quoi en vérité? Que la Torah, elle appartient à tout le monde. Il n'y a pas de couronne. Chacun peut venir et peut venir. Comme le Rabbi disait, la question, pourquoi en vérité on donne la Torah ou dans le désert? On sait que dans le désert, ce n'est pas l'endroit qui est le plus idéal. Ce n'est pas un endroit qui est propre. C'est très très simple. On aurait pu venir en Israël. Et en Israël, en Yerushalayim. Le Rabbi t'explique en vérité que dans le désert, tout le monde se sent à la maison. Il n'y a personne qui dit que c'est moi le patron. Chacun peut se dire c'est moi qui peut se sentir à l'aise. La même chose, dans la Torah, chacun peut se dire je suis là dans la Torah. Chacun peut sentir comme il faut. Comme on raconte l'histoire avec Rabbi Lazar ben Akonus. C'était un des grands Gdolé Ador. Et lui, Rabbi Lazar, on raconte que quoi? Que il était marié avec une fille qui était, son beau-père était très riche. Et le Midrash nous raconte qu'à l'âge de 28 ans, une fois il voit son beau-père, il le voit en train de pleurer. Il dit, qu'est-ce que tu pleures? Il dit, voilà, j'en ai marre de travailler. Non, excusez-moi, c'est pas son beau-père, c'est Eliyahu HaNavi. Il le voit comme ça, en train de pleurer, et il lui demande, pourquoi tu pleures? Il dit, la vérité, voilà, j'ai 28 ans, et j'aime d'aller apprendre la Torah. Et qu'est-ce que Léonavi envoie? Il envoie dans la plus grande yeshiva. C'est une yeshiva qui était à Yerushalayim, la plus grande yeshiva. Il est arrivé là-bas. Et comme Rabbi Lazar, il s'assoit, il commence à apprendre. Et un jour, Rabbi Yochanan, il passe et il voit qu'il a une odeur pas bien dans la bouche. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il a compris que Rabbi Lazar, il n'avait même pas le temps de manger. Il lui dit comme ça, comme tu as l'odeur mauvaise de ta bouche, parce que tu as voulu apprendre la Torah, tu auras une bonne odeur de 10 vraies Torah qui vont arriver dans tout le monde. Ça veut dire qu'une personne comme ça, à l'âge de 28 ans, qui ne sait même pas lire, qu'il est parti à la yeshiva, il a commencé à apprendre, quand tu as la volonté, c'est la réussite. Et d'où ça arrive ça? Ça arrive là qu'en vérité, la couronne de la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, il a pris de la famille de Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est plus la famille de Moshe Rabbeinu. Ça passe à chaque juif et à chaque personne. Que Bezrat Hashem, qu'on pourra savoir qu'en vérité, ça va être connecté avec pour chaque personne et pour chaque chose, qu'on pourra se connecter avec la Torah. Amen.